Bonjour et bienvenue dans ce 19e numéro de Haute en Couleur. Pour commencer, mon humeur de la semaine. Et je pense que ça se voit, donc on va pas le cacher. Hein. Je suis plutôt mécontent, blessé, vexé, et j'en passe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Vous connaissez sans doute Qui veut épouser mon fils. Hein. C'est LE gros carton du moment sur TF1. Hein. Ces mères désespérées qui veulent marier leur fils à tout prix. Hein. Entre parenthèses, les casteurs se sont un petit peu gourés d'émissions, parce que c'est plus des putes les candidates, mais enfin bref. Fort du succès, la chaîne a décidé de lancer Qui veut coucher avec mon fils, une autre version. Évidemment, là le casting serait beaucoup plus adapté. Ma mère, désespérée de chez désespérée, hein, que son fils soit encore plus sourd à 24 ans, et va m'envoyer ma photo, sans me demander mon avis. Alors là, je lui ai gueulé dessus. Hein. Juste gueulé, hein. Pas de violence chez moi. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas tester mon charme un petit peu. Deux jours après, une réponse de la directrice de casting. Madame, nous sommes désolés, mais le profil de votre fils ne correspond pas à ce que nous recherchons. Le profil de votre fils ne correspond pas à ce que nous recherchons. On aurait cru une réponse du Pôle emploi. Oh, putain, j'étais blessé, surtout quand j'ai compris qu'en fait ça voulait dire le physique de votre fils ne correspond pas à ce que nous recherchons. Bah oui, parce qu'ils avaient montré ma photo. Hein. Pourtant, je suis pas exigeant. Alors là, pas du tout. Hein. Je cherche femme, hommes, animaux, morts, je prends tout, hein. Moi je suis open et j'ai plus à personne physiquement. Vous imaginez? J'arrive même pas à faire bander un mort. Faut que je digère, il me faut du temps. Et en attendant, on va regarder un nouvel épisode des aventures du No Life. Ça me rassure, physiquement, il est encore plus horrible que moi. Allez, on regarde. Bonjour, je suis pas trop en retard. Non, ça va, vas-y. Bah entre, vas-y. C'est... On y va maintenant? Bah non, tu veux pas boire un verre, un café ou un verre d'eau? J'ai pas trop soif, non, j'ai préféré qu'on aille faire... Bah ce serait mieux, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi. D'accord, bon, j'ai juste un peu d'eau alors, c'est tout. D'accord, bah installe-toi, j'arrive, je vais... D'accord, oui. Ouais, d'accord. Tiens, voilà ton verre d'eau. Merci. Ça va? Je me sens pas bien là du tout. Ça va pas. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Prochain épisode de ces aventures la semaine prochaine, mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver ma petite sélection de l'actualité de la semaine. C'est bien sûr dans Planète Média. Oui, Max, t'es terrible! Yeah, Mika va faire son entrée au Musée Grévin le 6 décembre en tant que cire, aux côtés de grands noms comme Georges Clooney ou Monica Bellucci, la classe. Tout aussi classe, les années 90 refont surface avec une grande tournée dans laquelle on pourra retrouver Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. Il t'a pas donné la voix en tout cas. La Rousseau, tu m'oublieras. Ben, t'as oublié. War the Part, Dieu te donne. On avait pas assez d'années, mes gars. Le tout sera animé par un duo de choc, Charlie et Lulu. Laurie Choleva va intégrer l'univers du Pôle emploi. Elle pourra y retrouver Raymond Domenech dès le mois de décembre, car l'animatrice perd son émission dans l'univers de faute d'audience. Courage, Laurie, il te restera toujours ta meilleure amie. Ah non, ça c'est l'autre, Laurie. Magali Vahe est de retour, la gagnante de la Starac, qui revient avec un nouveau single intitulé « L'homme shampoing » et un clip très hot où elle est totalement nue. Ah non, ouf, c'est Lucie Starac 4 qui est nue dans son clip. Je les confonds toutes. Voilà pour Planète Média. Tout de suite, on va retrouver le répondeur réalité. Vous pouvez vous exprimer, vous le savez, sans aucun tabou.
Et cette semaine, vous avez notamment réagi à la séparation d'un couple mythique, Eva Longoria et Tony Parker. Mais eux au moins, ils sont jugés comme étant beaux. Ils ont de la chance. Bonjour, c'est Jérôme de Lyon. Vous savez pas quoi? Tony Parker et Eva Longoria, c'est fini. Elle demande le divorce parce qu'il l'a trompée. Non mais attends, celle-là, elle va pas nous faire croire qu'avec la gueule qu'elle a, elle a jamais été voir un autre popole. N'importe quoi. En tout cas, Tony, si tu veux te faire consoler, tu peux venir à mon cabaret Je m'exhibe. Je t'y attends. Bisous, bisous. Bonjour, c'est Cyrielle de Montociel. J'appelle parce que je suis très très en colère contre les médias et le public qui ne cessent de se moquer de Madame de Fontenay-Geneviève, qui a mené sa carrière à la sueur de ses misses, les faisant se dépasser, aller plus loin, toujours plus loin, parfois trop loin. IDF1 s'était engagé à diffuser en direct sa nouvelle élection et n'a pas tenu de parole. Madame de Fontenay, je vous soutiens, même si je n'ai jamais regardé Miss France, je trouve cela dégradant. Au revoir. Avant de se quitter, le people de la semaine, j'ai choisi Nicolas Sarkozy. Je me baisse parce que j'ai peur de me balancer les œufs à travers l'écran. Je choisis qui je veux, d'accord? Il était cette semaine à l'Élysée interviewé par Claire Chazal, Michel Denisot et David Pujadas. Alors moi personnellement, j'ai pas regardé. J'avais pas envie de me faire chier pendant 1h30. Puis avec les commentaires, le zapping, j'avais de quoi me faire mon opinion facilement. Et j'ai pas été surpris. À retenir notamment deux blancs. Le premier avec Claire Chazal. Oui ou non, Madame Chazal? Ces petits oiseaux pour faire le blanc. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de réponse, Sarko fait le mec qui s'occupe dans sa tête. Dis, oui, mais non, ne dis plus jamais non. Eh oui, un vrai fan de Farmer, le Nico. Et cette chanson-là particulièrement. Ensuite, il a forcément relancé, parce qu'il ne pouvait pas attendre comme ça. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien entendu votre réponse. Bah normal, du con, j'étais en train de chanter et danser dans ta tête, tu risquais pas d'entendre. Et même, de toute façon, on va pas se mentir. On sait très bien qu'une fois de plus, le sonotone de Sarkozy était en rade, et c'est pour ça qu'il a répondu à très peu de questions. Faut acheter de la marque, Nicolas, de la marque. Combien de fois faut-il le dire? Bon, passons au deuxième blanc, c'était avec Denisot. Monsieur Denisot, vous me prêtez une intelligence normale, je suppose. Petit oiseau, le petit blanc, et une demi-zone dans sa tête qui pensait « T'as un QI d'huître, et même une huître est plus intelligente que toi. » Et là, Sarkozy, en même moment, toujours en train de faire « Ni ma ni ma non », s'est rendu compte qu'il avait surestimé l'opinion que Denisot pouvait avoir de lui. Et donc, il lui a dit « Alors disons, une intelligence moyenne. » Et Denisot hypocritement a répondu « Un peu au-dessus. » Enfin, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait eu plus de blancs ce soir-là que dans le lit entre lui et Carla. Hein? Blanc? Vous me comprenez? Non? Ben si vous ne comprenez pas, pensez au code PIN. Vous comprendrez mieux. Allez, avant de se dire au revoir, je voudrais être sérieux quelques secondes, vraiment, quelques tout petites secondes, même si ça ne me ressemble pas, parce que je voudrais avoir une pensée pour JP, voilà, c'est un ami qui nous a quittés il y a un an, le 20 novembre. Et voilà, je voulais aujourd'hui avoir une très 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 forte pensée pour lui parce qu'il m'a toujours soutenu dans mes passions, dans mes projets, il a été là pour moi. Je pense qu'il aurait adoré me voir dans cette émission. Donc voilà, JP, je pense à toi et puis voilà, on va pas faire dans le larmoyant, dans le pathos. Alors, en hommage, un petit souvenir, voilà, entre lui et moi et quelques autres, cette chanson qu'il adorait chanter, qu'on a même chanté ensemble sur une route. Souviens-toi JP, si tu me regardes là-haut, chante en chœur avec moi. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Et aïe, aïe, aïe. Voilà, bisous à tous et surtout bisous à JP. Et rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, à partir de 19h. Ciao. Salut.